Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir, bienvenue à Hebdo News, le journal de la semaine. Voici les points qui vous seront développés à ce journal pour ce dimanche 19 novembre 2017. Le président Jovenel Moïse, accompagné de son épouse Martine Moïse et du Premier ministre Jacques-Guy Lafontaine, a participé au Cap-Haïtien à la commémoration des 214 ans de la bataille de Vertières qui a conclu l'indépendance de la nation haïtienne le 1er janvier 1804. Pour marquer le 214e anniversaire de la bataille de Vertières dans la ville des Cailles, la troupe Pimambouk de l'RJPE a présenté ce 18 novembre un spectacle théâtral titré « Bois Caïman ». Par arrêté présidentiel publié dans le Moniteur spécial numéro 39, daté jeudi 16 novembre 2017, Jovenel Moïse met en place un commandement intérimaire pour les forces armées d'Haïti chargé du rétablissement de l'organisation et du fonctionnement des forces armées d'Haïti. Autre nouvelle, dans le cadre d'une conférence de presse tenue ce mercredi, le maire principal de la commune des Cailles a dressé le bilan de sa visite en République dominicaine la semaine dernière. Jean-Gabriel Fortuné fait mention de la signature de deux accords de jumelage dans le but de favoriser des échanges culturels et commerciaux entre Haïti et Saint-Domingue. Les tronçons de route Misernes-Tricon sont impraticables suite aux dernières pluies. Les usagers de cette route demandent aux autorités concernées d'intervenir le plus rapidement possible. Ces points et bien d'autres vous seront développés dans un instant, mesdames et messieurs, restez branchés. Mon qui souffre hémorroïde pas mal pour reconnaître. Mes amis, si c'est pas caché maladie. C'est mon bagage qui s'allie. Moi-même, ça va pas cacher. Depuis l'autre, je ne vais pas comprendre. Quel est le suspect? Pour que vous Rete. Pas besoin de keto, chérie. Moi-même, tout de guerre. C'est un anneau et plus qui bonne solution. Depuis les armes, guéri. Solution hémorroïde là, dans 48 onces analoïdes plus seulement. Ou après 4 onces à jeûner le matin, 4 onces à soir, les bras dormis. Analoïde plus météo à les atteintes tout, à famille ou à la société. Ou après jouer Analoïde plus, en face de l'école Michel Lazare, sur boulevard 4 chemin. Pour plus d'informations, relevez dans 43 19 0909 37 02 45 49. Distribué par Compaïkion. Merci de votre fidélité. Bienvenue au développement du journal. Pour vous le présenter, Witland Rosilmé au micro et à la rédaction. Le président Jovenel Moïse, accompagné de son épouse Martine Moïse et du Premier ministre Jacques-Guy Lafontaine, a participé au Cap-Haïtien à la commémoration des 214 ans de la bataille de Vertières qui a conclu l'indépendance de la nation haïtienne le 1er janvier 1804. Vertières mette fin à l'esclavage. Devoir nous aujourd'hui, c'est mettre fin à l'exclusion, division à l'anarchie qui bloquait le pays à sous route développement. Idéal démocratique constitution,
qui chita sous pluralisme politique avec droit peuple là, c'est prolongement bataille vêtière. Nous pas qu'à chita dans une éternelle transition. Nous pas qu'à chita dans désespoir, dans instabilité avec division. Moi-même, je dis, moi choisi mettre pays dans une autre direction. 6 ans, 7 nous sommes capables de mettre ensemble pour fonder un pays libre et indépendant. C'est de voir pas nous aujourd'hui pour nous faire Haïti camper, pour nous faire Haïti venir un pays côté tout le monde, c'est le monde, côté droit le monde respecté. Peuple haïtien, nous te mettons président pays pour me travailler, pour me faire la paix blaï. Sans la paix et stabilité, nous ne sommes pas capables de réaliser progrès et développement que nous besoin. Idéal qui a mené la caravane, c'est idéal vêtière. Idéal rassemblement, c'est idéal combat. Mettre ensemble pour l'État capable de servir le peuple plus bien. Je veux pour tout citoyen comprendre que caravane changement, c'est une stratégie intervention côté tout ministère et service de l'État jouent ensemble pour agir dans une zone bien déterminée. Caravane, non, c'est un appel. Tant qu'on coûte l'ambi qui te demande tout petit pays pour commencer la bataille d'indépendance. Caravane, non, c'est coûte l'ambi historique. Caravane, non, invitez-nous tous pour nous changer la façon de travailler. Façon nous utiliser bien l'État pour nous bailler peuple à service. Pour nous suspendre Haïti, ce pays qui est pauvre dans la zone de l'Amérique. Vision, travail gouvernement, c'est pour Haïti suspendre pour te couille by moon. C'est pour Haïti suspendre pour humiliation. C'est pour Haïti qui a gourmet pour ressources, qui a servir. C'est pour Haïti. Vin mettre tête li. C'est ça que fait. À partir de 7 février 2018, caravane nan ap sous tout 10 départements pays. Par arrêté présidentiel publié dans le Moniteur spécial numéro 39, daté jeudi 16 novembre 2017, Jovenel Moïse met en place un commandement intérimaire pour les forces armées d'Haïti chargées du rétablissement, de l'organisation et du fonctionnement des forces armées d'Haïti. Ce commandement intérimaire est composé de 6 membres, le commandant en chef, l'assistant commandant en chef AI, l'état-major général, l'inspecteur général, l'adjudant général et l'état-major personnel intérimaire du commandant en chef. Le pasteur Sorel, lui, dit voir de bon œil la remobilisation de l'armée d'Haïti. Il estime que le président Jovenel Moïse mérite d'être félicité pour cette belle initiative. Toutefois, il se dit pour une armée professionnelle qui ne servira pas à renverser le pouvoir. Suivez la déclaration de pasteur Sorel, lui, au micro de notre collaborateur Sena Amos. Qui va dans Briganda et qui va dans Krasé Brisé, t'as Drouet Bay et président Jovenel avec toute l'équipe là qui prend une initiative ça donc pour remettre l'armée d'Haïti sous pied pour revaloriser escamp figu pays. D'abord parce que c'est une très bonne idée. Il y a mon qui dit on va avoir un problème à l'armée, mais Jean l'armée a payé longtemps, on va même pas ça, on va même l'armée professionnelle, on partage la vie ça tout. Non, autrefois t'es gagné une armée sous nom. Peut-être c'était pourtant, mais je dis, président Jovenel, Jean l'a avancé là, on est qui voulait moderniser tout le bagage dans le pays. Je ne crois pas qu'il a fait l'armée à caractère archaïque, ça a toujours. Et seul bagage, penser que l'armée a une bonne initiative, ça va être grand. Il a bon tout, même si il n'y a pas de fait ça. On y a là plus fait plus l'éducation civique peuple. Nous parlons de l'armée ça, qui position l'armée a vagué dans la société ça, qui travaille la vague. Je ne sais pas pourquoi c'est l'armée qui compte d'abattre mon coup de pied, saboter mon bail coup d'état. Parce que l'armée, chaque fois qu'on dit, on toujours mettre en tête, c'est l'armée qui a fini pour pousser le président bail coup d'état.
La caravane de changement a intervenu ce jeudi 16 novembre à Bory, première section de la commune de Torbec. Cette intervention fait suite à l'inondation du mercredi soir. L'un des habitants de Bory a exprimé sa satisfaction et a félicité les initiateurs de la caravane de changement. Suivez sa déclaration au micro de notre collaborateur Hans Jean-Louis. Depuis de l'eau, n'importe la pluie tombée, l'eau a dans cette île en bas, dans le pas. Et je n'ai pas besoin d'eau pour les gens qui sont à l'entour. Tout le monde sait en moué. Même c'est quitter caille, c'est fermer caille. Moi, je suis obligé. La cause à moi, c'est jeter de l'eau, perdre du commerce, perdre tout le bagage. Et puis, mettre d'eau avec caravane, moi, je viens là. Premièrement, je suis venu avec la première intervention, je suis fait deux mois de cela là. Moi, j'ai l'hypothèse fruit. Parce que, je suis capable de dire l'hypothèse fruit parce que nous avons fait un drainage, un curage. Et puis, qui inachevé. Mais maintenant, qu'on y a là, par rapport à ça et si nous avons passé hier soir, moi j'ai à Golomna qui a tête là, qui est responsable là, moi j'ai l'idée très soucieux de nous-mêmes qui vivons dans la zone. Non? Et puis, moi, tout à coup, il paraît avec et matériel là pour venir faire travail là. Et nous tous, nous sentons content en pile. Le CASEC de Boileau, première section de la commune de Cavaillon, Hervé Nazaire, s'est montré très remonté contre les interventions au rabais de la caravane de changement dans sa section. Il affirme que la caravane n'a réalisé rien de concret à Boileau. Hervé Nazaire menace de gagner les rues pour protester et réclamer de meilleures conditions de vie. Suivez la déclaration de Hervé Nazaire au micro de notre collaborateur Amos Sénat. Le président de visite de section par nous, il était dit nous consacrer en première section commune par contre l'aide. Il était à côté Roche, qui était envahi de Kaimoun. Roche, même après tempête là, après ouragan, qui était couvert de Kaimoun. Il était dit que ça va possible pour nous vivre dans condition ça. Les visites de section, il était dit ça. Je dis à la caravane d'arriver ensuite. Nous pensons que c'est le moment pour qu'il y ait des mises au point de fête pour Kazek à Kazek nous participer vraiment pour qu'on ait parce que c'est une proximité à la population. C'est un problème, peuple, c'est un cas de côté pour un coup de pelle fête que nous ne pouvons pas faire. Je dis à nous dénoncer, un, caravane qui entre dans la section, c'est remblé, il y a banon. Pas de route, pas d'infrastructure, pas de rien qui est capable de faire un monde vivant dans la zone qui produit ça, nous gagne, c'est la mer, c'est pour nous qui annoncer que c'est banon. Nous attendons l'État pour l'État faire des interventions qui sont plus ou moins correctes. Mais je dis à rien n'est pas fait. Nous demandons qui ça plan BA. Plan BA, ça lié l'or, sous que l'État, ou pas l'État le battant d'eau. C'est pour prendre la rue pour protester, pour dire ce qui s'offre, parce que c'est une garantie constitution en nous. Les tronçons de route Misierne, Tricon sont impraticables suite aux dernières pluies. Les usagers de cette route demandent aux autorités concernées d'intervenir le plus rapidement possible. Suivez. De nous arriver en Coube, quand c'est magistrat, route là impraticable, sont en rivière. On voit des nuages, son rivière qui dépassait même monter à Oudinio, les couvrir, on voit pas grand route, mon cabine qui est poussée à pousser, on voit un petit monde qui va à l'école, c'est retourner. En tant que citoyen, nous voulons faire une planification pour nous faire attendre avec le magistrat Brandt, et puis pour nous faire tête à tête, et puis nous comment, nous avons fait une tentative pour nous faire OK ou ça. Là, je vais parler à condition pas bon du tout pour non, condition pas bon du tout. Ouais, même petit monde qui va à l'école, vous constatez bien. On y retourne pour aller à l'école. On voit une motocyclette mourir dans le bois tout bas. On voit une moto à couvrir net et on va aller. Qui sont à demander l'État responsable? Et mais l'État qui est responsable, premier citoyen, c'est en tant que Brandt Marcelis. On voit, il doit lever un peu jusqu'à ce qu'on y aller à la mairie. Et puis pour le fond, on chit attendre avec le chef qui est sous tête là. Et puis on a pour nous, comment nous allons restaurer la route là. Dans le cadre d'une conférence de presse tenue ce mercredi, le maire de la ville des Cayes a dressé le bilan de sa visite en République dominicaine la semaine dernière. Jean-Gabriel Fortuné fait mention de la signature de deux accords de jumelage dans le but de favoriser des échanges culturels et commerciaux entre Haïti et Saint-Domingue. Le numéro 1 de la ville des Cayes affirme que cette démarche rentre dans le cadre d'une promotion du développement local et une politique d'ouverture. Suivez la déclaration du maire Jean-Gabriel Fortuné.
nous avons engagé dans une politique d'ouverture. Et puis, le problème que notre pays a subi depuis des décennies, c'est que c'est un pays qui ferme sur lui-même. Et depuis notre campagne, même depuis l'engagement pour que nous ouvrions la région au Kaïla, métropole sud, là. Et c'est la ville de Kaï, pour nous ouvrir sur étrangers, sur le monde. En effet, du 1er, du 9 au 12 novembre, moi j'ai séjourné en République dominicaine, d'abord pour me signer des accords de jumelage. On signait deux accords de jumelage avec deux villes dominicaines. Des accords de jumelage, pas dans le sens de petit pays ou petit ville à profiter pour demander la charité. Des accords de jumelage, c'est pour favoriser l'échange culturel entre deux peuples, entre deux communautés qui, de toute façon, sont condamnées pour coexister ensemble, la République dominicaine et la République d'Haïti. Le maire Jean-Gabriel Fortuné annonce la participation de la République dominicaine au concours Miss Jules Caraïbes 2018. D'autre part, il a mis l'accent sur la réalisation des états généraux, ce qui va nous permettre, selon lui, d'être sur la même longueur d'onde et de parler un même langage. Suivez sa déclaration. Ça fait tout annoncer. Maintenant, question Jules 2018 là, qui est déjà la République dominicaine inscrite pour venir participer dans le festival gelé et surtout dans le concours Miss Gelé Caraïbes. Des contacts sont en cours avec la Martinique, la Guadeloupe, qui nous répondent à l'étude pour nous régler la question. On a déjà gagné trois groupes de pays qui sont prêts pour participer à l'année dans le festival là et notamment dans Miss Gelé Caraïbes. Donc, l'État général va le permettre que. Ça m'a dit, c'est ça nous-mêmes nous dit. C'est chaque représentant force vivre dans la région Abdi. Pour nous parler d'un seul langage, le langage du développement, le langage de la paix, le langage du progrès, le langage de la démocratie. Parce que l'homme d'Al Panama, regardez, et quand Panama est avec Haïti, il est crié, mais en République dominicaine, cette fois-ci, il m'a crié pour courage. Des habitants de la commune de Port-Salut sont montés au créneau pour dénoncer les mauvais agissements du maire principal de cette commune, Wilson Dena. Selon ses habitants, le maire fait une mauvaise gestion de cette commune. Il estime que Wilson Dena doit leur rendre compte sur la gestion des projets en cours à Port-Salut. Suivez. Wilson Dena mandat. Wilson Dena pas qu'à mener en mairie, tant qu'au mairie Port-Salut comme ça. Ça veut dire pas la population explication du tout. Chaque projet qui vient dans la commune, il y a des projets qui viennent sous aller et que la population n'a pas d'explication. Par exemple, une organisation internationale, les Nations Unies, qui a financé pour faire un série ramassage ordure sous plage là, sous plage pour salut. Et nous croyons que nous prenons ça. Donc plage pour salut, après gelé, c'est une plage qui est renommée internationale au niveau de la Caraïbe. Donc ça veut dire que il y a un pile d'autres bagailles que. Magistrat, il fait encore, par exemple, il se prend mairie en otage, il fait salver sale plutôt, par les gens voulaient, nous gagnons nos projets sous zone Castambi, côté de Tapmaké, bienvenue à vos saluts. Pour déjà commencer, la rue bloquée, tout le bagage campé, nous avons mis 4 motos campées, il a dit l'argent fini, nous ne pas choisi aucune explication. C'est comme avec les cash forward, nous avons chaque paysan $800 chaque mois. Nous avons fait sous cadre du monde. Nous avons équipé des dédoles. Nous avons choisi de prendre Simsa. Nous avons même récupéré l'argent. Paysan n'a pas joué. La directrice départementale sud du ministère à la condition féminine, Ditchley Saint-Victor, annonce la préparation d'un agenda qui permettra au ministère de se rapprocher des organisations féminines du département. De ce fait, elle demande aux responsables de ces organisations d'être patient. Suivez la déclaration de Ditchley Saint-Victor au micro de notre collaborateur Amos Sena. C'est sous ça ma travail là, ma rencontre yo là, ma projet d'organisation yo pour nous chita pour nous faire une autre planification.
Je prépare un agenda pour me capable de joindre. Parce que l'organisation est vraiment une pas une présence ministère là, quelle que soit la circonstance là. Mais nous-mêmes, nous travaillons sur ça. Mais moi, dis mesdames, nous mettons posé. Nous travaillons, nous avons un calendrier bien élaboré. Nous travaillons avec l'autre institution partenaire. Nous arrivons sur nous. Voilà ce qui met fin à ce journal, mesdames et messieurs. Le rappel des titres dans un instant. Le président Jovenel Moïse, accompagné de son épouse Martine Moïse et du Premier ministre Jacques-Guy Lafontaine, a participé au Cap-Haïtien à la commémoration des 214 ans de la bataille de Vertières qui a conclu l'indépendance de la nation haïtienne le 1er janvier 1804. Pour marquer le 214e anniversaire de la bataille de Vertières dans la ville des Cailles, la troupe Pimambouk de l'ARJPE a présenté ce 18 novembre un spectacle théâtral titré « Bois Caïman ». Par arrêté présidentiel publié dans le Moniteur spécial numéro 39, daté jeudi 16 novembre 2017, Jovenel Moïse met en place un commandement intérimaire pour les forces armées d'Haïti chargé du rétablissement de l'organisation et du fonctionnement des forces armées d'Haïti. Autre nouvelle, dans le cadre d'une conférence de presse tenue ce mercredi, le maire principal de la commune des Cailles a dressé le bilan de sa visite en République dominicaine la semaine dernière. Jean-Gabriel Fortuné fait mention de la signature de deux accords de jumelage dans le but de favoriser des échanges culturels et commerciaux entre Haïti et Saint-Domingue. Les tronçons de route Misernes Tricon sont impraticables suite aux dernières pluies. Les usagers de cette route demandent aux autorités concernées d'intervenir le plus rapidement possible. Merci à vous qui avez suivi ce journal pour vous le présenter, Whitland Rosilmé au micro, avec la collaboration de Hans Jean-Louis. Merci, bon week-end et bonne semaine à tous.